Il est utile de rappeler que l'affichage du plan du bassin est obligatoire dans le club. Nous voyons ici un plan peint sur le mur, du côté du cahier de sortie. Sur ce plan sont notés les endroits où il faut faire demi-tour, les sens de circulation par rapport au ponton, ainsi que, par exemple, à gauche, la zone à ne surtout pas dépasser où il faut faire demi-tour. Sur ce plan, on peut indiquer également les distances, ce qui permet de se repérer sur un plan plus général. Lorsqu'il y a un pont très dangereux avec une circulation de bateaux, il faut bien préciser sous quelle arche du pont il est possible de passer avec les bateaux d'aviron. Enfin, ce plan doit faire partie d'un ensemble de documents affichés obligatoirement dans le hangar à bateaux, dans un lieu dédié.